Buvez un verre de ceci et dites adieu à vos veines bouchées et même au cholestérol. Mes amours, juste avec un verre de cette boisson le matin, au revoir aux crises cardiaques et tout autre problème lié à votre santé cardiovasculaire. Si vous aimez les sujets liés à la santé, aux remèdes maison comme cette vidéo, abonnez-vous sur notre chaîne et activez les notifications en appuyant sur la petite cloche là-haut. Pour toujours recevoir toutes nos nouvelles vidéos, si vous faites déjà partie de cette belle communauté, je vous en remercie et je vous invite à me laisser votre nom dans les commentaires pour vous remercier très personnellement. Les artères et les veines bouchées sont un problème causé par l'accumulation des plaques graisseuses. Cela est très dangereux car ça restreint la circulation sanguine et empêche l'oxygène et les nutriments d'arriver de manière optimale aux organes et même aux tissus de votre corps. Il existe différents types de remèdes naturels pour nettoyer les artères lorsque celles-ci sont obstruées, car cela peut être mortel. C'est pourquoi il est important de connaître ces remèdes naturels pour nettoyer les artères et empêcher que ça ne récidive. Le remède que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est un smoothie à base de céleri, de citron, de gingembre. Ils vous aideront à nettoyer les artères très rapidement. Bien sûr, vous pouvez rajouter de l'ail, mais nous en parlerons plus loin et je vous dirai pourquoi. Je vous invite donc à regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais vous dire comment vous devez préparer ceci, comment vous devez consommer ceci, mais surtout pourquoi est-ce que vous devez le faire. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous dire pourquoi ce sont les meilleurs ingrédients que vous puissiez utiliser pour nettoyer vos veines et vos artères. D'abord, le céleri est riche en vitamines et en minéraux comme le zinc, le sélénium. Ces composants contribuent à protéger la santé artérielle, contient également un composé qui détend les muscles, qui entoure les artères et favorise la dilatation des vaisseaux. Ça va favoriser de ce fait le flux sanguin. Le céleri est également l'un des aliments les plus puissants que nous ayons, car ceci va favoriser l'élimination des toxines et des liquides non appropriés du corps. Et ceci aussi a des propriétés laxatives. Le jus de céleri a un goût délicieux et se combine bien avec des aliments comme la pomme, la poire ou même l'ananas. Avant de continuer, mes amours, je vous recommande de partager ces informations pour que ça touche un maximum de personnes. Faites-le via vos réseaux sociaux, WhatsApp, Snapchat, Facebook. Partagez, partagez, partagez. Dites-moi aussi dans les commentaires de quel pays, de quelle partie du monde est-ce que vous m'accompagnez, de là où vous me suivez, de là où vous me soutenez. Vous savez combien cela me réjouit. Ensuite, je vais vous présenter les avantages du gingembre pour les artères. De nombreuses études expliquent et prouvent les résultats utiles du rhizome de gingembre pour réduire les niveaux de cholestérol dans nos artères. Ces avantages sont tout simplement liés au niveau élevé d'antioxydants phénoliques contenu dans la racine du gingembre. Il contient aussi d'autres antioxydants très puissants qui sont très efficaces pour traiter la peroxydase lipidique. Le gingembre est également efficace pour aider à prévenir les dommages cellulaires provoqués à la fois par le cholestérol et les triglycérides. L'ail, quant à lui, est bon pour nettoyer les artères. C'est l'un des suppléments à base de plantes les plus utilisés pour réduire à la fois les niveaux de triglycérides comme le cholestérol. Permet aussi de réduire les plaques collantes de cholestérol dans les artères. C'est aussi cela qui donne son odeur et sa saveur caractéristique à l'ail. C'est un antibactérien efficace naturel qui a bien des vertus bénéfiques, purifiantes et antiseptiques. Et enfin, nous avons le citron pour nettoyer les artères. Dans l'alimentation, la consommation de vitamine C est un moyen efficace de prévenir et de traiter le cholestérol ainsi que les triglycérides. Le jus de citron naturel nous donne non seulement des vitamines, mais aussi sa grande contribution est très appropriée pour lutter contre les plaques nocives attachées à nos artères. Mode de préparation de ce remède pour nettoyer les artères. Ingrédients. Vous allez prendre une branche de céleri, une tasse de jus de citron, de l'ail, une cuillère à café de gingembre frais et bien sûr une cuillère à café de miel. Mode de préparation. Nous allons d'abord presser le citron. Après cela, nous allons mettre ça dans un mélangeur ou même dans un mixeur. Ensuite, nous allons rajouter le céleri, la gousse d'ail, le gingembre et enfin notre cuillère de miel et un tout petit peu d'eau. Mélangez le tout jusqu'à ce que ce soit complètement écrasé, en particulier le gingembre qui devrait être bien écrasé. Vous pouvez tamiser ce remède ou pas, c'est comme vous le voulez. Prenez ce remède plein de vitamines à jeun le matin.
Ceci est riche en antioxydants et tout ce qu'on a dit plus haut, ça va tout simplement être exceptionnel pour vous. Vous pouvez suivre ce traitement pendant 15 jours, ensuite vous reposer pendant une semaine et recommencer cela en fonction de comment est-ce que vous vous sentez dans votre corps. Ajoutez donc ce régime à votre routine alimentaire, cela vous permettra d'être loin des AVC, des problèmes cardiaques, des problèmes sanguins et autres pathologies et même des maladies dégénératives. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé ce smoothie, si vous en connaissez d'autres aussi bon que celui-ci pour soigner vos artères. Pensez à partager ceci avec la famille, les amis, dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Likez, commentez, abonnez-vous. Bisous, bisous.